Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de nourriture, de joie de la chair, de l'éclat des goûts exquis et compagnie. Je vais vous parler de La Passion de Dodin Buffon aux éditions d'Argo par Mathieu Burnia. Alors, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, déjà, c'est un petit chef-d'œuvre connu des amateurs de littérature gourmande, car c'est la libre adaptation d'un roman qui a été publié il y a quelques années. Dodin Buffon est un fin gourmet, un fin connaisseur de la nourriture, et il a la chance d'avoir une servante absolument excellente en tant que cuisinière. Et donc Dodin Buffon s'amuse à inviter des amis à se délecter de mets divers et variés, et c'est une farandole de plats qui passe par chez lui. C'est un album qui fait extrêmement saliver. D'ailleurs, je vous conseille de vous être sustenté auparavant, parce que vraiment vous avez la salive et l'eau qui vous vient à la bouche au fur et à mesure du récit. Et donc ce Dodin Buffon, enfin gourmet, sa cuisinière, eh bien malheureusement elle va décéder et il va lui falloir trouver une remplaçante. Alors là, on a une farandole, une litanie de jeunes femmes qui viennent se présenter pour reprendre la place. Donc il y a des moments assez truculents dans l'histoire par rapport au choix qui va se faire. Et enfin, il en trouve une qui s'avère une bonne fermière qui a les pieds bien sur terre et qui va lui amener encore une nouvelle cuisine. Et là, c'est une espèce de complicité qui va s'installer entre eux sur l'amour de la nourriture. Et puis il y a des joutes. Il y a une joute avec un prince qui va inviter Dodin Buffon. Il veut l'impressionner, sauf que le repas qu'il lui propose, bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Et quand Dodin Buffon va l'inviter à son tour, là, lui, il va vraiment l'impressionner et le prince va reconnaître que franchement sa cuisinière est top, et du coup la jalousie va s'installer et ce prince va tout faire pour essayer d'attirer la nouvelle cuisinière dans son royaume. Voilà, ça s'appelle La Passion de Dodin Buffon, c'est un petit livre succulent, c'est aux éditions d'Argo et c'est fait par Mathieu Burnia.